Camarade, camarade, allô, c'est Fredo, c'est Fredo. Oh, ça m'aimé, c'est Fredo. J'avais pas vu dans l'obscurité, la nuit est tombée, je m'étais endormi. C'est pour faire RP ça. Et on est toujours dans nos cabanes d'Electrozavodsk. On a bien dérouillé, hein, on a 12 hématomes, on est humide, on a froid, et on a rien. On a rien. J'avais un marteau, mais voilà. Ah, mais si, maintenant que j'ai un school backpack, je vais pouvoir mettre le marteau dans le school. Ah, ça c'est chouette. Ok. Le school. Hop, on va mettre le marteau en raccourci. Vas-y, je peux ou pas? Non, faut que je le sorte. Et après que je le mette là. Qu'est-ce qui se passe? Très chiant ce truc. Pourquoi je peux pas... Oh là là, ça commence. Il est badly damage. Ouais, d'accord. On va pas aller très loin en badly damage, mais c'est pas grave. Donc j'ai une fourche, j'ai un marteau. Vas-y, je remets le marteau là-dedans. On n'est pas très riche, hein. On n'est pas très riche. On essaye donc désespérément depuis des jours d'aller à Rogovo. On n'y arrive pas. Je vous ai dit des conneries. Les trucs gelés, quand vous les mettez dans un habit qui a une high insulation, enfin qui est assez isolé, normalement, ça arrive au bout d'un moment, hein, à se décongeler. Donc on va voir si ça marche ou pas. Et si je craquais ça et que je l'accroche à mon sac. Je pourrais... Ouais, mais j'ai allumé la haute flair, donc c'est pas la peine. On va essayer de prendre un Nurofen. Nurofen, normalement, c'est plutôt contre la douleur. J'en sais rien. On est sur un serveur de pharmacien, je vous le dis. Allez, donc, mange un Nurofen, gros. Ça va te faire du bien. Le Nurofen, ma vie est en train de chuter. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais... Ouais, alors le Nurofen, voilà. En bas à droite, vous voyez qu'il agit contre le froid. De toute évidence. Par contre, j'ai une intoxication alimentaire, mais pourquoi, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Vas-y, je voudrais ranger ça dans mes affaires. On peut mettre, donc, vous l'avez remarqué, c'est vrai que quelqu'un me l'a fait remarquer dans les commentaires, j'avais complètement oublié. Daisy, le jeu qu'on dit hyper réaliste, vous ne pouvez pas mettre une chemise sous un manteau. Hein. C'est soit le manteau, soit la chemise, vous ne pouvez pas faire les deux. Par contre, dans mon pantalon, je peux mettre un cooking pot, et ça ne pose aucun problème, c'est pas grave. Écoutez... On cherche de la bouffe, on n'a pas le choix, on sort. On sort. Je galère beaucoup parce que... On va dire que mon perso est nul en bagarre. Ça, c'est pour dire que c'est pas pour dire que c'est pas moi qui suis nul en bagarre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un casque. Ouais, mais j'ai ma casquette de calabré, on n'enlève jamais une casquette de calabré. On va longer la côte un petit peu parce qu'en longeant la côte, on a des chances de tomber sur des bateaux. Et peut-être y aura des trucs. Pourquoi j'ai une intoxication alimentaire? J'ai mangé rien. On cherche le moindre... Oh là, quelqu'un est passé il n'y a pas très longtemps. Un marteau dans quel état? Pristine. Oh, alors là, je vais vous dire tout de suite. Vous savez quoi? Hop. Viens là, mon poulet. On prend le pristine et on le remplace. Pourquoi ça l'a pas gardé, là, en deux? Parce que c'était dans mon... D'accord. Et lui, je peux le mettre là, bien sûr. Et lui, je pourrais le mettre là, bien sûr. Donc là, je pourrais le mettre là, bien sûr. Voilà, c'est logique. C'est assez logique. Bon, ok, je l'accepte. C'est assez difficile, hein. Vous en conviendrez. C'est pas simple. Bon, j'ai rien pour déchirer le suite. Donc, oh là 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 là, j'ai chopé une pneumonie. Faut que je reprenne un... Bah non, c'est pas la peine que je reprenne un ibuprofène. Je viens d'en prendre un. Ma carrière va pas être longue, hein. J'en ai peur, les gars. Une fois de plus, hein. On a l'habitude maintenant. Oh merde. Ok. Donc j'appuie sur la touche 2, il ne se passe rien, bien sûr. Donc je prends mon marteau à la main, comme ça, et j'attends. Oh là, j'ai un bel angle mort là. Où il est l'autre cogneau? Viens là, vilain. Putain, en pleine nuit à électro. Sans rien, quoi. La zermie. J'ai un peu faim, j'ai un peu soif. Est-ce que mon truc est en train de décongeler? Ah ouais, il a décongelé. Ça a marché. Donc j'ai dit des bêtises. Je m'excuse auprès des développeurs du mod. Ou du jeu, je ne sais pas. Pour une fois. Mais quand vous mettez quelque chose de gelé dans un vêtement chaud, vous attendez un peu, ça décongèle. Il me fatigue, lui. Hein. Mais c'est la nuit, là. Si je peux pas faire la bagarre avec lui la nuit. Hein. Je vais essayer de le faire rentrer. Aïe, oulala. Ok.
Viens là, gros sac. Ouais, il tape pas que, il tape pas qu'une fois, que deux fois. Une fois, deux fois, trois fois. Ouais, trois, ouais, deux fois plus une fois, on va dire. Ok, ferme. J'ai une grosse blessure. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ce n'est rien, c'est une égratignure, les gars. Le problème, c'est est-ce que j'ai des rags? Putain, le bordel. J'ai pas de rags. Je suis dans la merde. J'ai rien pour déchirer ça. Je n'ai rien pour déchirer ceci. Ceci, je peux le combiner. Pas du tout. Si je prends ça à la main. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu par terre ou quoi? Je saigne. Je saigne à mort, les amis. Ça, swap. Ok, je peux pas déchirer avec la fourche. Bah non. Donc, je vais mourir. Je suis triste. Ah là 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 là, c'est pas de chance, hein, les gars, quand même. Hein. Vas-y, swap. Ah, je perds mon... Ouais, non, mais là, je vais canner. Ou alors, je reste là pour canner en paix. Non, 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 non. Je reste pas là pour canner en paix. On sort. L'épisode commence mal. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a l'habitude. C'est pas là que je voulais aller, c'était de l'autre côté. Oi, 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 oi. Pourquoi j'ai pris une intox alimentaire? Je me souviens pas d'avoir mangé. Bon bah au moins j'ai un flair, donc si un survivant passe par là, il verra ma carcasse. Peut-être, peut-être, je dis bien. Ça va très mal, très mal, très mal. Je vérifie, j'ai rien sur moi pour me soigner. Ah mon dieu, quel coup de pas de chance. Viens là-dedans, mort au chaud, tu seras mieux au chaud. Ah ouais, puis le problème là, c'est que... Oh, un tranchoir, alors ça, ça peut changer la donne. Vite, 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 vite. Combine, putain, dépêche-toi, abruti. Non, 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 arrête. Je veux pas faire ça. Combine. Je vais décéder. Vas-y, crave des rags. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Je tente. Putain. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Vite. Use. Swap. Là. Si j'y arrive, c'est chaud. C'est fait. Wouh! Ouah, l'on de use. Bon. Ça, ça va retourner là-dedans. Bien sûr. J'ai perdu. Ça, ça va aller là. Ouais. J'ai perdu. J'ai perdu ma fourche. C'est pas très grave. Hein. Je vais vous dire franchement, c'est pas très grave. Ça, ça va aller là-dedans. Parce que c'est précieux. Et ça, ça va aller vers moi. Et non, vous savez ce qu'on va faire? On va boire un coup pour se remettre un peu. Vas-y, lâche l'affaire. Ouais, alors vous m'avez, ce qui était assez logique, vous m'aviez conseillé de mettre, bien entendu, comme fait tout le monde, mais que moi je fais quasiment jamais parce que j'y pense pas, de mettre une arme. Oh putain, je viens de boire, c'est dommage. Il était daubé ou quoi ce machin? De mettre un raccourci là, et quand j'ai ma flair à la main, comme maintenant, d'appuyer sur deux. Calme-toi. Ah ouais, ça a marché. Bah écoutez, ça a pas marché tout à l'heure, ça a marché maintenant. Tant mieux. Magique. Ok. Vas-y, je voudrais... Hop. Oh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une latence de fou. Alors qu'il y a très peu de ping sur le serveur, j'ai l'impression d'avoir une latence de foutraque. Alors déjà que... déjà que je suis en difficulté tout seul... Si je me rajoute de la latence, c'est mort. Ok, j'ai pas de plan. J'ai pas de plan vu mon état de santé. Je vais essayer de descendre et de partir à l'est. Pour voir autour des bateaux si je pourrais pas trouver quelque chose. Pour manger par exemple. Et... Ah, un vilain. Et je vais peut-être essayer ensuite... Alors plan, toujours avoir un plan dans Days. Je vais peut-être essayer... De monter au-dessus de l'église. Oh ouais, c'est quoi ça? Ah non. Ouais, mais ça peut m'aider. Ouais, mais non. Je suis triste. J'emmène ma casquette de Calabre.
C'est essentiel. Se servir de... Se servir d'un hachoir pour découper des vêtements alors que ça sert à découper de la viande, c'est pas le top du top. Ok, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va attendre que le jour se lève et on va respawn. Ok, donc je vous retrouve dans peu de temps. À tout de suite, camarades, pour la suite des aventures du pauvre Fredo qui se démerde comme un manche sur Intense Hardcore Survival, qui est assez hardcore au niveau du survival. J'en conviens, à tout de suite. Allez, ok, on est reparti, on sait pas où on va spawn, mais il fait jour. Donc, c'est déjà un bon début, let's go. D'accord. Oh, à mon avis, on est encore sur... Ouais, d'accord, je vois à peu près. On est en dessous de Bérez. Comme d'habitude, on doit être vers Niznoï, dans le secteur. C'est pas le top du top. Comment est-ce qu'on est habillé cette fois? Oh, magique, 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 magique. Est-ce que je garde ça, Bad Insulation? Ça, je... Je vais le garder. Je vais le garder. Parce qu'on est sur le bord de la voie ferrée. On va longer la voie ferrée, voir si on trouve quelques petits cailloux. Comme vous me l'avez conseillé. Ce qui n'est pas évident, parce que les cailloux sur le bord des voies ferrées dans Daisy, c'est une chose très rare. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai plutôt froid. Oui, normal. Alors, est-ce qu'il y a une petite pavasse là? Non, il n'y a pas de pavasse. Oh, on les voit, je crois, les pavasses, elles ressemblent à un truc bizarre. Après, le problème, c'est que si la moitié des survivants connaissent ça, eh ben, ils vont faire les voies ferrées et ils vont me piquer mes quelques cailloux qu'il y a. Eh, sans déconner, des cailloux, il devrait y en avoir des milliards, quoi. Ils sont rapaces dans Day, sans déconner, hein. Des fois, ils sont super rapaces. Bon, allez, vas-y, on va essayer de... Essayer de voir ce qu'on peut faire. Si on peut trouver du matin. Oh là 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 là. Je me souviens de cette auberge. On avait fait une bagarre très mortelle avec mon ennemi de toujours, Nini. Oh, il y a de l'eau. Ouais, s'il y a de l'eau, il va y avoir rien. Je pense. Je suis pas optimiste là, je vous le dis. Hein. C'est quoi ça? Oh, un briquet. Dites rien, je le prends. Des sneakers, bad insulation, alors que moi j'ai des pristine high insulation. Bien sûr, c'est ça l'intérêt d'être un ouvrier du bâtiment. Du bâtiment ou des voies ferrées. C'est quoi ça? Non, 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 non. Oh! De l'habillement à même le sol. Je suis où là? Oh merde. Ah ouais, non, ça c'est pas très... Oh là! Hello, ça va ou quoi là? Be careful, be careful! Oh, il a l'air de faire la bagarre, je vais l'aider. Tout pour la bagarre, camarade! J'ai déjà une blessure. Merde! Ah, mais je me protège, mais ça me protège de rien du tout, ouais! Oh, les deux vieux là, laissez-moi! J'en peux plus! J'ai plus de stam! Oh, mais vous allez me foutre la paix! Ils font le tour! C'est des fourbes! Tiens dans ta tête! Ah, j'ai pas assez de stam! Oh! Et l'autre, il m'a laissé ce coyote! Hein. J'étais venu l'aider! Oh, ils sont glitchman! Sauf lui! La vieille est morte! Oh, toi, tu me saoules, toi. Eh, je me protège, je recule, je prends des dégâts. C'est pas une... Putain! Barre-toi, gros! Tu saoules, là. Je suis coincé dans un... Je ne peux pas me défendre. Je peux pas me barrer! Oh, ce bordel, sans déconner, j'ai été coincé! Ma santé va mal? Ouais. Ma santé va très mal. Vas-y, soigne-toi. Deux grosses blessures. Ça se gère. Waouh. Ah, j'ai tenté une frappe puissante. Ça s'est plutôt bien passé. Après, j'avais plus de stam. C'était le problème. Waouh, mon pauvre Pélo. Regarde-le, il est dans un état lamentable. Lamentable. Où il est l'autre coyote là que j'ai essayé d'aider? Putain, j'y crois pas, quoi. L'autre, il a rien sur lui. Lui, il a rien sur lui. Tu vas voir, toi. Reviens là. Malfaisant. Défonce, man. Où il est? J'espère qu'il a été cané quelque part. Espèce de lâche. Il m'a laissé me démerder tout seul.
Vous m'avez conseillé de me cacher dans les serres pour éviter aussi les aides. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je dirais pourquoi pas. Oh, calme-toi. Je referme la porte ou pas? Viens là. D'accord. Ok. Encore un truc. Très réussi dans Days. La serre nous rend invisibles. Et ça, c'est chouette. Viens là, gros. Oh, viens là. Non, là, il est... D'accord. Bon, là, il y a une vitre. Mais là, il n'y a pas de vitre. Viens là, gros. Viens là, viens là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Le son, c'est un peu zarde, hein. J'attends de reprendre de la stam, je vais lui en mettre une grosse dans la tête. Tu vas voir ce qui va t'arriver, toi, espèce de coyote. Vas-y, j'ai pas de stam. Je souffre. Bizarrement, après cette grosse bagarre, j'ai de la douleur, j'ai 6 hématomes, mais c'est pas ce que j'ai vu de pire. Tiens. Viens là, tu vas faire la bagarre avec moi. Ah, ça le calme un peu quand même. Mais faut que j'ai de la stam, là je peux pas là. Ouais d'accord, faut que je sois à peu près à moitié en stam. Allez viens. Viens ici, viens ici. Oh. T'es marteau toi non? Viens là. Il a cassé la porte ou quoi? Je rappelle... c'était pas un oubli de ma part, hein. Mais au début, bon, le serveur est quand même assez difficile, hein, on peut le dire. Vous avez vu combien de fois je canne par épisode. Mais j'ai pas pris tous mes points de skill auxquels j'avais droit au début, hein. Normalement, au début, vous avez droit à 30 points de skill que vous pouvez, que vous pouvez dispatcher à peu près n'importe où. Je les ai pas pris. Histoire de dire. D'accord, il se barre. On sait pas pourquoi. Viens là. Non, merde. Je suis en train de m'amuser avec ce coyote là, je devrais pas. Tiens. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas... Faut que je le tue, de toute façon, sinon il va me saouler jusqu'à la fin. Je sais pas dans quel bled je suis, je sais pas si je suis à Niznoï, peut-être pas. Oh là 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 là. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens en prendre 2-3 dans la tête. Voilà. Ok. On tape. On va finir par l'avoir. Hein. C'est très long. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous en faites pas. On m'a dit de. Pareil. Hein, de prendre un bâton. Je vais prendre un bâton. Mais faut que je sorte de la serre. Ça sera mieux. Est-ce que je vais me niquer les mains? J'espère pas. Je surveille les soins. J'ai plus de soins. J'ai. Je suis vraiment à la dèche. Un long stick que nous allons mettre dans notre dos et que nous allons mettre en raccourci en deux. Et on va cacher. Alors, lui, on peut le looter ou on peut pas le looter? Ouais, on peut. Pas sûr qu'il ait grand chose d'essentiel, mais bon. Ouais. D'accord. Bon, bah on a un briquet, c'est déjà pas mal. Faites voir la gueule du bled. Si, si, ouais, ouais, on est dans les alentours de Bérez. C'est pas le top. Franchement, je vous avouerai que c'est pas le top. Pour rejoindre Balota, c'est pas le top, c'est clair. Mais, on y est, hein, vous voyez, c'est tout, c'est comme ça. Non, mais j'ai déjà... Est-ce qu'elles sont abîmées, mes chaussures? Non, j'ai pas tapé avec mes pieds. Putain, quand je pense à l'autre espèce de fourbe qui s'est barré en me laissant, alors que j'étais en train de l'aider, quoi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien du tout. Un Z. Ah, mais si, je me souviens, c'est là où on avait croisé les mecs dans les premiers épisodes. Avec le magasin, l'église. Tu vas voir ce qui va t'arriver, toi, si tu viens m'emmerder, là. Viens là, je suis caché derrière le compte. Oh! Un IZH. Huh.
Je dérouille. Frappe, gros, si tu l'oses. Non? J'attends, ma stam remonte. Regarde l'autre tête de Schwanz avec ses lunettes, là. Tu vas voir. Allez, go. Faut qu'il canne. Tu vas voir. Ouais, le bâton, ouais, hein, d'accord. Le bâton, c'est bien, mais c'est pas l'avenir. Vas-y, soigne. J'ai deux grosses plaies, ça va pas le faire. Non. Ça va pas le faire du tout. Parce que j'ai pas de quoi soigner mes plaies. Je suis triste. Ah, on dérouille, vraiment. Je dérouille, on peut le dire. Après, le serveur est dur, mais bon, je veux dire... il est... C'est quoi ça? N'importe quoi. Et ça? Oh, une boussole. Non, pardon, c'est ça que... Oh, compas, steak. C'est ça que je voudrais. Mourir avec une boussole, c'est un bon signe. Le serveur est dur, mais si j'étais meilleur en PVE, ça va. Parce que bon, niveau climat, on a vu que ça pouvait à peu près aller. Par contre, faut pas être une buse comme moi en bagarre, parce que sinon, vous avez aucune chance, quoi. Je vais aller boire. Je sais pas pourquoi, mais je vais aller boire. Et mettre mon kawaii de chez Déglingo Dépannage. Qu'est-ce que j'ai dans mon shirt? Voilà, on va prendre le briquet. Hop. On va mourir avec les couleurs de Déglingo. On le mérite. Et on va... Est-ce que c'est la... C'est quoi ça? Ah, un can opener. Et non, mais faudrait pas que je boive... Oh, il est... Attends, c'est un Z, ça, ou c'est l'autre qui est mort? Non, c'est un Z, ça. Fais voir. Ouais, ça, c'est un Z. À l'aide! Aidez-moi, camarade! Non, pas comme ça. Croy, aïe, aïe. Et on va enquiller 3 décès par épisode bientôt si ça continue. Je sais pas si un jour on arrivera à arriver à Rogovo. Je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est quand même... c'est un challenge un peu osé parce que déjà, j'arrive pas à partir de la côte. Alors, c'est vrai que traverser la moitié des terres pour aller centre-ouest, peut-être qu'il faudra que j'abandonne à un moment donné cette idée. C'est possible, je sais pas, je dis ni oui ni non. On verra. On sait pas. On va se relancer. Allons-y. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez pas faire le truc le plus horrible comme moi, prenez vos points de skill, ça peut vous aider. Vous prenez des points de skill en force, en stamina, en ce que vous voulez, vous en avez 30. 30, c'est quand même pas mal à prendre. Donc ça peut aider. Moi, j'ai voulu faire le Malinos, je les ai pas pris. C'est comme ça, c'est la vie et je l'assume totalement. Et je me retrouve, comme d'habitude, sur la côte. Oh là 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 là. Un phare. Est-ce qu'on serait dans le virage ? Vers Camiche. Je sais pas. Je me souviens plus où sont les phares. Qu'est-ce qu'il y avait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai été téléporté, les amis. Très inquiétant. Ah oui, j'ai été téléporté totalement. Oh, c'est quoi le bordel? Je suis habillé comment? Policia. Oh non. Me voilà gardien de la paix, moi, un calabré. Quelle honte. Quelle honte sur moi. Donc, on a dit que j'avais, comme d'habitude, un rags, une flare et un pansement. Là, tout est ouvert, forcément. Forcément, on a une serre, donc on pourra se cacher dans la serre. Ah ouais, 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 d'accord. La petite cabane à bateau, les hangars. On est peut-être... Non, non, mais on est peut-être vers Electro. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Profitons de l'hiver. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais l'hiver ça va. Enfin, je m'attendais vraiment à ce que ça soit le truc. T'es complicados quoi. Pas d'habit, tu meurs. J'ai froid, mais j'ai moyennement froid. C'est quoi ça? Une balaclava, bien sûr, tu penses. Regarde, hop, voilà. Un raincoat, certainement pas.
Là, c'est essoré, hein, de toute façon. Là, quand je me suis couru, il y avait 28 personnes sur le serveur. Donc, 28 personnes sur le serveur, si elles font comme moi et qu'elles décèdent souvent, ça... Oh, les petites îles, là, ouais. Je pourrais peut-être bien être vers Camiche. J'ai du mal à me repérer. Une paddle. Ouais, je peux me battre avec. Oh! Un fishing rod. Je peux le mettre dans mon dos. Donc maintenant, il me faudrait de la ficelle. Où il est, ce qu'on me phare? Je vais aller vers les habitations. En essayant de trouver... Si j'arrivais à trouver un truc, genre... Genre hameçon, ficelle... je pourrais pêcher. Bon, j'ai pas de couteau, bien sûr. Mais la voie ferrée n'est certainement pas très loin. C'est où ces petites îles? Est-ce que c'est les petites îles qui sont autour de Camiche là? Je sais pas. Bon, je vais pas traverser, hein, je vous le dis. J'ai pas trop envie de nager. Là, y a rien. Oh, là-bas, y a... Allô? How do you do, camarade? Comment ça va? Hello, Hello, hello. It's cold today, no? man. Don't want any trouble. Where are we, Just please? keep away. Where are we, please? Cherno. Oh, on est à Good luck. Tchernobyl. Ok, thank you. Good luck. You're going to work? What? You go to work? Go to work? No, please stay away. Ok. Stay away. Ok. Let's go. Have a nice day. See Good you. luck. Il n'y a pas d'humour. Il était méfiant, hein, de toute évidence. Il était méfiant. Tcherno, ça m'étonne. Après, ça serait pas mal si on était à Tcherno. Ouais, je vais pas monter là-haut parce que la dernière fois, je me suis pris une galetousse dans l'eau. Comme un con. Où est-ce qu'il y a un. Il y a pas d'île vers Tcherno. Il me raconte n'importe quoi, lui. Qu'est-ce qu'il. Mais non, mais je. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est bizarre, je suis perdu. Je suis perdu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, ceci dit. Bon, après, la côte, je devrais commencer à la connaître, vu le nombre de fois où j'ai respawn ici. Bon, s'il est passé plein de fois ici, ça veut dire qu'il a looté ce qu'il y avait à looter. Dans l'idée. Ah, je parlais du froid. Le froid, ça va. C'est pas... Franchement, hein. Là, par exemple, regardez, j'ai froid, mais ça monte. Parce que je me déplace, donc pourquoi pas. Y a pas des cailloux, il n'y a pas des trucs, il va avoir tout piqué ici, lui, évidemment, tu penses. Ah, mais si, mais si, mais si, mais si! Mais attendez. Il y a les immeubles là-bas. Oh, popopopo! C'est quoi cette histoire de fou? Bon, bah, faut que je loot un peu par ici, j'ai pas le choix. Ça va pas être simple. Un shirt. Eh ouais. Donc oui, on en parlait tout à l'heure, mais on ne peut pas dans ce jeu mettre un t-shirt sous un manteau. C'est impossible. On ne peut pas tenir une lampe torche dans la main gauche et une arme dans la main droite. Et après, je vois des commentaires qui disent que ce jeu est super réaliste. Alors ouais, peut-être sur console, je sais pas. Mais nous ici, on galère. C'est-à-dire que voilà. Pourquoi, comme dans Zomboid, tu pourrais pas empiler les vêtements, franchement. Tu trouves un manteau, tu le fous par-dessus. Après... En plus, ça pourrait rajouter. Bon, il faudrait faire une petite ligne de code, c'est un petit peu de travail, je suis d'accord. Mais ça pourrait rajouter du chaud. Donc, plus tu accumules les vêtements, plus tu rajoutes du chaud. Et après, bah, si tu as des bons codeurs. Ouais, je sais qu'on parle de la Daisy Dev Team. Hein, mais pourquoi. C'est quoi ce truc? Non, je veux pas ça. Pourquoi, par exemple, ne pas rajouter de l'encombrement? Ça serait possible. Ah oui. Eh oui, exact. On est sur la façade ouest de Tcherno. Alors là, par contre, c'est magique. Enfin, c'est magique du point de vue de ma destination. Parce que c'est la première fois que je spawn par ici. Mais c'est-à-dire que ça ne m'éloigne pas. Et que j'ai une canne à pêche. Et que par contre, faut pas que j'aille dans la direction de Balota. Ça, c'est sûr. Oh là là. Oh là là. Un humain est mort ici, de toute évidence. Ah non, mais je vais pas manger de la du steak. Ils ont tué un homme. Oh, le pays des cannibales. Ah ouais, non, c'est pas gentil ça.
Tant pis, on se barre. On va peut-être pas rester trop par là. Ça a pas l'air hyper amical, on va dire. Mais bon, que voulez-vous? Faut bien que je survive. Ça se trouve, c'est l'autre coyote qui l'a tué. Allez savoir. Les immeubles. Si je monte les immeubles, après, je vais galérer un peu, mais je peux arriver sur des bleds comme, je sais pas, on a des inos, en exagérant. Faudrait que je trouve un ustensile un peu tranchant avant de partir, quoi. C'est quoi ça? Un bonnet? Non mais je peux mettre... Alors par contre, on peut mettre une balaclava et un bonnet, vous voyez. Donc quand ils veulent, ils peuvent, mais quand ils veulent pas, ils veulent pas. Lui, il m'emmerde là-bas, il va pas m'arranger mon business. Hop. Faut pas trop que je parte en bagarre ici, hein, c'est pas le... Oh. Oula, ouais bon, vous savez quoi? Je vais essayer de faire une baraque ou deux dans ce secteur. Elles sont ouvertes de toute façon. Ce qui est assez logique. Hein. On va monter, tant pis. Hein. Et merde. Un Z potentiellement. D'accord. Ouais, non, mais même. Même. On va partir sur le côté des immeubles. Qu'un peu de chance, ils me calculent pas. Oh putain, ils sont. Je me barre. Ah, ils m'ont vu. Alors toi, oh tiens, dans ta tête. Ouais, merde, ça se passe mal. Une, deux, trois. Aïe, aïe, aïe. Allez. Putain, mon pauvre paddle, là. Oh, j'ai trois blessures. Orange, je vais jamais pouvoir les soigner. Non. Oh, aïe, 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 aïe. Comme on dit. Bon, vas-y, bah tant pis. Hein. On passe tous les soins, on n'a pas le choix. Hein. C'est bon, est-ce que je suis soigné? Ouais, je suis soigné. Vas-y, je le search. Ouais, je suis définitivement pas au top au niveau du corps à corps, j'en conviens. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Je vais reprendre mon paddle sur le dos que je vais mettre en deux. Bon, j'ai rien pour déchirer quoi que ce soit. Je pourrais longer la voie ferrée. Mais... je risque de croiser du monde. C'est pas tellement ce qui m'intéresse. Je vais essayer de longer la voie ferrée un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Pour trouver des cailloux. J'ai pas le choix. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, ce n'est rien, c'était le restart de 16h. Logique. Le serveur est revenu, on y retourne. Ouf. Ok, on y est. Donnez-moi des pavasses, s'il vous plaît. Alors, mon objectif, trouver quelque chose qui coupe. Dès que j'ai trouvé quelque chose qui coupe, j'essaye de couper derrière Balota pour monter. Direction peut-être le village de bord, ce qui va me rapprocher de mon objectif premier. J'en ai jamais été aussi près. Bon, je suis pas à côté, hein. Mais
Franchement, c'était un bon spawn. L'hiver, par contre, c'est vrai que l'hiver, au bout d'un moment, c'est déprimant, quoi. Putain, c'est joli, hein? Mais c'est joli, mais déprimant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez. Magnifique. Une voie ferrée superbe. La station-service. On peut essayer d'aller vers la station-service. Je souffre, hein, un peu. Est-ce qu'il y a des trucs là sur la route? Rien du tout. Faudrait pas que je tombe sur des humains. Ça serait pas le moment. Parce que là, on est à côté de Balotte. Et si on tombe sur des humains, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont essayer de me tuer. Ouais, j'ai mal hein, quand même. Je me méfie. Puis là, j'ai plus de soins. Hein. Faut pas que je fasse trop le con non plus. Hein. Ça serait dommage. Avec mon pauvre paddle. Qu'est-ce qu'il a là? Non, c'est bon. C'est un truc rouge qui n'a rien à voir avec du stuff. Ah, de toute façon, ici. Ça a été essoré obligatoirement. Bah après, restart server, ceci dit. Ouais. Des allumettes magiques. Qu'est-ce que j'ai comme chaussure à la con, moi? Medium insulation, et ça c'est quoi? Bad. Oui, non, bad. Oui, non, évidemment. Ok. Donnez-moi un petit outil coupant là, s'il vous plaît, les amis. Ça, c'est quoi? C'est des jeans. En quel état sont-ils? Police jacket, police pant. Police pant, c'est quoi? Medium insulation, ça en sky. Calme-toi, petit bonhomme, calme-toi. J'ai pas très envie, dans le principe, de monter vers les immeubles. Je vais essayer de rester un petit peu sur la voie ferrée. En espérant trouver un caillou ou deux pour me faire un petit couteau. Ma santé n'est pas brillante. Bien sûr que ma santé n'est pas brillante, on le sait, on le sait, on le sait. Ou alors la côte. Parce que la côte, potentiellement sur la côte, bateau. Bateau échoué. Et qui dit bateau échoué, dit matériel divers et varié. Et peut-être même équipement. De toute façon, là, on longe une voie ferrée. Putain, mais ça me désole, moi, ça, sans déconner. Hein. C'est là, ma paddle, elle est pétée. Fais voir. Ah non, elle est pas pétée. D'accord, non, c'est parce que je l'ai envoyé de profil. Je croyais qu'elle était cassée. Ouais, je tente la côte. Je tente la côte, on verra. Je dis ni oui ni non. Je sais pas. Le paddle, je pourrais le ranger, ceci dit. Ouais. Il veut pas le ranger, pourquoi? Tu veux pas ranger le paddle sur ton dos? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On peut pas mettre un paddle sur son dos? On peut mettre une canne à pêche, mais on peut pas mettre un paddle. Tant pis, c'est pas grave. Personne? Canne à pêche, c'est sympa déjà. Enfin, franchement, c'est un début. Hein. Est-ce qu'il y a des bateaux là? Et pareil, sur la plage, il n'y a pas des cailloux des fois? Non? Ça m'arrangerait. Si, un bateau. Bon, en attendant, je vais vous remercier tous de continuer de suivre cette série avec attention. Je vois au nombre d'audience que, écoutez, vous avez l'air d'aimer ça, bande de sadiques que vous êtes. Donc, je vous remercie parce que, franchement, moi, je sais même pas si je regarderai. C'est assez long, hein. Sans déconner, vous trouvez pas ça long? C'est super long, je me balade comme je peux, je me fais déglingue-man parce que je suis une buse en PVE. En PVP, bon, pour le moment, j'ai pas les moyens de lutter, hein. Mais merci à vous de regarder la série. Et puis, de toute façon, on va continuer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Là, tant que je suis pas décédé. Après, je sais pas. Franchement, là. Le serveur est dur. Bon, d'accord, le serveur est dur. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus dur. En fait, ce qui est très dur sur ce serveur, comme vous l'avez vu, c'est les maladies. C'est-à-dire que,
En fait, vous n'allez pas passer votre temps à looter Balota, l'Airfield ou les trucs comme ça. Vous allez passer votre temps à looter les centres médicaux. Et apparemment, c'est assez campé, les centres médicaux, parce que les mecs qui aiment le PVP, c'est là que ça se passe. Donc, vous allez, dans ce jeu, être obligé de trouver des médocs. Et c'est vrai qu'il est très dur par rapport à ça. C'est-à-dire que vous prenez des infections, vous prenez des maladies. Là, c'est étonnant, j'ai pas encore pris froid. J'ai pas froid, là, pour le moment. J'ai pas la petite icône du rhume qui se transforme en grippe, qui se transforme en pneumonie. Mais c'est ça qui fait essentiellement la difficulté du serveur. Alors c'est un parti pris. Hein. Il y a des serveurs où on va vous mettre des hordes de Z. Il y a des serveurs où on va vous mettre de l'armement partout. Et là, en fait, on va vous mettre des maladies. Toutes sortes de maladies, des commotions, des blessures. Donc c'est un serveur, comme je le disais, un serveur de pharmacien. Mais c'est gérable. Franchement, si vous êtes moins mauvais que moi en PVE, c'est gérable. Vous essayez au début, avant de partir de la côte, de vous trouver de quoi pêcher. Un petit peu de soin, des fois que vous preniez froid ou une connerie comme ça. Et puis après, vous vous barrez. Hein. Vous allez pêcher dans les étangs. Alors, pareil, hein, quand vous montez dans les terres, j'imagine que les étangs, ils doivent être assez courus. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez vous prendre une balle assez vite, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller faire le malin. Mais ça se tente. Ça se tente. Donc là, bon, bah, écoutez. Hein. Série, on discute. Walk and talk, comme on dit en anglais. On discute, on avance, on discute. Je vais essayer, donc, petit à petit, d'arriver vers Balotte. Le problème de Balotte, c'est que il y a l'airfield, mais il y a un village. Ou alors je coupe avant. Alors à Balotte, il y a de l'eau. Par contre, Balotte, ça va être mal famé comme pas possible, quoi. Il faudrait que je trouve quelque chose dans un bateau avant d'arriver à Balotte et je monte plein nord. C'est quoi cet immeuble? J'ai pas le souvenir de cet immeuble. Si on monte dans les terres, on va être plus tranquille. Je vous rappelle que mon objectif, c'est d'atteindre Rogovo, la maison mère des Calabrais. Mais, si on monte dans les terres, on va être plus tranquille, mais on aura rien à bouffer. Donc une canne à pêche, c'est bien. Est-ce que je peux chercher des vers de terre avec ma canne à pêche? Rien du tout. Ah, il me faut du basique. Il me faut une corde, il me faut des rags, il me faut des soins. Enfin, des soins, il me faut au moins des pansements. Là, si je me fais aggro, je suis mort, quoi. J'ai trois allumettes. Trois allumettes qui, bien entendu, vont être humides. Je monte pour faire un point sur la situation. Oh! Oh! Je redescends. On est juste en dessous de l'airfield. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'être en dessous de l'airfield. Barrons-nous. Éloignons-nous. Donc ça veut dire que j'aurais quand même déjà relativement bien avancé. Ouais, que j'arrive à dépasser Balotte. Il y a l'espèce d'embarcadère là-bas, mais le problème, c'est qu'il va y avoir des aides sur l'embarcadère, nécessairement. Puis moi, il me reste quoi? Il me reste rien. Je peux même pas me soigner. Hein. Aïe, aïe, aïe. Comme on dit par chez nous, aïe, aïe, aïe. Donne-moi un petit truc intéressant, là. Ah, oh, une autre canne à pêche. Dans quel état elle est? Badly damage. Et la mienne, badly damage. Ouais. Ça fait gravement plaisir. Oh, c'est quoi ça? Oh, un fishing hook. Vas-y, je le combine. Je peux pas, pourquoi? Voilà. C'est un début. Oh, mes habits, ils sont défonce-man. Où est mon paddle? Il est là. Là, on aurait quoi de potentiellement bien? Ouais. Est-ce que je peux mettre des trucs dedans? Ouais. Peut-être que ça sera mieux. Alors. Ouais. C'est bien. Tout ce qu'on prend, c'est pris, comme on dit. Personne me suit pour essayer de me tuer? Non. C'est quoi ces bruits, là? Ok. Bon, vous savez quoi? Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Hein. On en sera quand même mort bien assez dans cet épisode. Mais on a eu la chance d'avoir un spawn plaisant. Le problème, c'est que la faim descend, la soif descend. Il faudra au moins que j'aille boire. Il faudra au moins que je trouve un petit truc à bouffer. Et puis après, je monte dans les terres. J'essaye de faire le rush final pour arriver à Rogovo. La mission céleste, mais c'est pas fait. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous dire, mettez des bonnets, même si on est en juillet, parce que regardez, ça pince. Après, on a froid aux oreilles, vous prenez la grippe et vous êtes content. Arrêt maladie. Donc, la France est pas riche, camarades. Bossez bien, soyez prudents, faites pas les dingues et à la prochaine. À la prochaine pour la suite des aventures de Furioso
en hiver.